Je t'ai plu sans réfléchir, c'est le message adressé par Trocanton, entreprise d'insertion basée à Pansé et Béligny. Trocanton, c'est une alternative aux déchetteries, une entreprise qui donne une deuxième vie à vos objets. Écoutez, ça fait 17 ans, c'est la 17e année d'exercice aujourd'hui, là. Et donc ça a été créé pour répondre tout à fait à des besoins sociaux du moment qu'on croyait disparaître et qui existent encore aujourd'hui, mais des gens en difficulté financière en particulier suite à des pertes d'emploi. Et donc on a fait la relation entre ceux qui étaient, jetés. Les gens se séparaient de choses pour les mettre en décharge et nous on se disait que ça pouvait être un bien matériel important pour reconstruire dans une famille, dans un couple, un petit peu de bien-être matériel. C'est pas du tout du dépôt-vente, hein. Nous on vit à l'image de l'acteur historique qui est Emmaüs, on vit de dons. C'est-à-dire les gens viennent plutôt donner à Trocanton plutôt que d'aller à la déchetterie, jeter. Donc il y a une notion forte autour du jeter et du donner, donc une prise de conscience importante. Si je viens ici, également, c'est, j'ai envie de dire, un acte militant, parce que je crois d'abord à la récupération. Nous vivons dans la société du gaspillage, et le plus grand brocanteur de France, c'est la décharge, la poubelle. On y trouve des choses, et j'en ai trouvé de grands intérêts, de grandes valeurs. Et de les voir détruites, ça m'a toujours fâché. Donc, de les voir arriver ici, pour une deuxième vie. C'est un soulagement. Cette deuxième vie sera aussi bien chez des collectionneurs, des passionnés comme moi, que chez des gens qui n'ont pas les moyens de se payer du neuf, qui font également le choix de ne pas s'acheter du neuf et qui préfèrent avoir 5 livres d'occasion plutôt qu'un livre neuf. On est sur un principe fort qu'on ne revend que ce que l'on achèterait nous-mêmes. Trocanton, c'est donc aussi une entreprise d'insertion. Elle emploie 24 salariés, dont 11 CDI. La satisfaction, hein, puisque nous sommes entreprise d'insertion, c'est que nous réussissons à hauteur de 60% à replacer les gens que nous accueillons. Et on est en complémentarité avec tout le monde économique, quoi, parce qu'il n'y a pas deux mondes là, on vit ensemble. Alors nous sommes à Pansé, c'est la première boutique, 17 ans d'existence, et puis sur Béligny où on a ouvert ça fait 4 ans. Et donc c'est en pleine évolution, plein développement. Ce sont des outils de territoire et c'est le territoire qui s'approprie la démarche. Et sur Béligny, notamment avec la mairie, on a réussi à trouver des locaux et on a réussi à trouver aussi tout un tissu de bénévoles. Chacun apporte sa compétence. L'idée du bénévolat à Trocanton, c'est d'être utile à soi-même. On a l'habitude de dire à Trocanton qu'on est un lieu de lien et tout le monde peut s'y retrouver, s'y croiser et vivre des choses formidables ensemble. Et Trocanton a l'intention d'ouvrir prochainement un nouvel entrepôt au Cellier. Pour plus de renseignements, rendez-vous sur le site internet trocanton.org.